On change notre plan parce que le groupe, je pense, n'est pas capable de continuer. Mmh. La difficulté étant là. Et donc, on va faire d'autres choses un peu plus faciles, mais aussi jolies. Vous l'avez déjà fait, vous, le GR? Oui, je l'ai fait. En totalité? En totalité, j'ai fait en solo, en 8 jours et demi. Et je trouve que c'était pas une bonne expérience, parce que on regarde ce pied, on regarde les cailloux, et puis on arrive au bout, on s'est dit, mais zut, en fait, j'ai rien vu, quoi. Et donc, je l'ai refait une deuxième fois, plus calmement, en prenant le temps de se poser chaque fois, peu importe l'heure à laquelle on arrive, en fait. Hein, l'important, c'est le chemin, hein, c'est ce qu'il y a autour, quoi. Pour cette nouvelle étape, on vous propose un nouveau pas de côté. Aujourd'hui, on prend le chemin du Marémonte qui descend vers Socha depuis le refuge de Mangano qui se trouve par là-haut. Ici, on fait une petite pause dans le Zoï et on va ensuite aller vers Kraina pour découvrir un lac aux multiples richesses. Gabi, tout d'abord, quelle est la particularité de ce lac de Kraina par rapport à tous les lacs de Corse? Alors, le lac de Kraina, en fait, c'est le plus bas de Corse. Et en fait, du coup, c'est le seul qui est situé dans une ambiance forestière, comme on peut le voir, au milieu d'une forêt de Palaric. Il a aussi d'autres particularités, tant en ce qui concerne les espèces animales que la flore. Oui, alors, en fait, le lac de Kraina est entouré par une zone de potines dans laquelle on va trouver des espèces particulières comme la drosera, qui est une espèce qu'on trouve uniquement sur le lac de Kraina et aux alentours. Voilà. On peut également noter la présence donc, de grèbes castagneux qui sont présents, je dirais, du printemps à l'automne. Donc, ce sont des migrateurs. C'est ça, ce sont des migrateurs et qui se reproduisent sur le site. Donc voilà, on peut voir des bébés grèbes sur le lac.